tour des écoles privées du Grand Montréal d'être visées par une action en justice en raison de la pandémie. Des parents mécontents ont déposé une demande d'autorisation d'action collective pour récupérer des sommes liées à l'enseignement qui n'a pu être dispensé. Tous ont vu une rupture, une grande modification des services. Et les demandeurs, dans notre action, nos clients, les représentants proposés, allèguent que la quantité et la qualité des services étaient grandement différents que ce qui était entendu et le prix pour lequel ça a été payé, évidemment. Quelques écoles privées ont remboursé ou crédité des familles pour les services afférents qui n'ont pas été donnés. Par contre, aucun parent n'a été remboursé pour l'enseignement, souligne Jérémy John Martin. Même s'il y a eu un enseignement à distance, même s'il y a eu quelques minutes et là, ou même plus de Zoom, de tout ça, c'est pas ça le service pour qu'on paie. On paie un service que pour nos enfants soit encadré, qu'ils aient des interactions avec d'autres élèves, qu'ils reçoivent une certaine discipline, que les parents ne doivent pas être à la maison avec eux. Tout ça, là, ça n'a pas été rendu pour chacun des membres du groupe. Près de 47 000 élèves sont inclus dans la demande d'action collective.